Je vous suis là pour vous parler des vents à l'époque de Mozart. Comme vous avez dû l'entendre, ce n'est pas exactement les mêmes instruments que vous connaissez peut-être aujourd'hui. Vous avez peut-être reconnu des hautbois, des clarinettes et des bassons pour les bois. Et vous avez dû remarquer, ils ont moins de clés que les instruments que l'on connaît aujourd'hui dans les orchestres. Les cors également n'ont pas de pistons, vous avez dû remarquer. Mais ça, ce sont vraiment les instruments que Mozart a connus de son vivant. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on est à Vienne, aux alentours des années 1780. Mozart aimait énormément les instruments à vent. Il les utilisait beaucoup dans ses symphonies, dans ses compositions, dans ses opéras. Il leur donnait souvent des solos assez importants, très beaux, que vous pourrez maintenant peut-être noter quand vous écoutez une symphonie de Mozart. Au courant de ces années 1780, à Prague et à Vienne, de nombreux aristocrates s'intéressent aux ensembles d'instruments à vent, ce qu'on appelle une harmonie en fait, et de nombreux bourgeois essayent d'avoir chacun son harmonie pour pouvoir jouer dans ses jardins lors de festivités, de repas, de dîners, d'événements particuliers. Concernant les vents, Mozart est allé encore plus loin dans ses compositions. Il écrit spécifiquement pour eux, dans des ensembles où parfois ils sont 8, on appelle ça un octuor. Donc c'est ce que vous avez pu entendre ici, donc octuor, 8 instruments. C'est un petit peu l'équivalent du quatuor à cordes en fait. On va dire par exemple que le premier hautbois, la première clarinette ont un peu le rôle du premier et du second violon dans un quatuor à cordes, tandis que le corps aura plutôt les parties intermédiaires qui correspondent plutôt à la partie d'alto, et les bassons jouent le rôle du violoncelle qui est souvent utilisé dans la basse du quatuor à cordes. Nous avons choisi de jouer une sérénade de Mozart, qui est la Köchel 375 en mi bémol majeur. Nous l'avons choisie spécifiquement parce que déjà elle a été souvent jouée dans des jardins à cette époque-là, et nous allons aussi la jouer dans des jardins. Et en plus, pour la petite histoire, il est connu que cette sérénade a été jouée par les musiciens viennois de l'époque de Mozart. Pour son anniversaire, ils sont allés au pied de sa fenêtre et lui faire cette sérénade pour le réveiller et le sortir de son lit.